La minute juridique avec maître Stéphanie Baudeau. Bonjour maître. Bonjour. Aujourd'hui, on parle accident de travail. C'est quoi un accident du travail ? Alors, tout d'abord, ce qu'il faut savoir, c'est que l'entreprise est débitrice d'une obligation de santé et de sécurité de ses salariés. L'accident du travail, il va toucher, le cas échéant, à plusieurs domaines du droit : le droit pénal, le droit de la sécurité sociale et enfin le droit du travail. Que faire en cas d'accident du travail ? C'est de faire une déclaration d'accident du travail dans les 48 heures. C'est une priorité absolue. C'est une priorité absolue pour l'entreprise qui va devoir vérifier à ce moment-là sa couverture en termes d'assurance responsabilité civile, mais également le cas échéant en termes d'assurance défense recours. Quelles sont les conséquences pour l'entreprise ? Alors, les conséquences pour l'entreprise, elles vont être variables selon la gravité des blessures. Et c'est pour ça qu'il est très important que l'entreprise soit bien assurée, notamment en cas de faute inexcusable de l'employeur, puisqu'il peut y avoir des conséquences financières assez importantes. Très bien. On a bien compris. Il ne faut pas négliger l'accident du travail. Merci, madame.